l'exception. Et ça, c'est une image qui... Au-delà. On a su mettre les deux autos en haut du classement. Alain, il fallait absolument qu'il soit devant Jean-Philippe, c'est ce qu'il a fait dans les deux manches, en gagnant les deux manches. Il fallait aussi que la deuxième voiture soit présente pour repousser Rivière et éviter qu'il ne fasse un meilleur résultat. Donc effectivement, il y a un super travail d'équipe déjà, qui a amené des informations techniques, de la confiance, et qui nous a permis de faire un excellent résultat. Bien, pour le moment, il reste des finales en espérant qu'il n'y ait pas de problème mécanique ou autre pour Alain. Mais le titre a été acquis de très très belle manière parce que le stress de la dernière course, là, c'était assez fantastique. On savait que la voiture était bien née, bien performante, mais il faut que les pilotes soient aussi dans le coup et libérés de toute pression. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé à l'ensemble d'un cours après la victoire. Et ça se ressent aujourd'hui maintenant, quoi. C'est que je me sens beaucoup mieux. Je regrette que le trophée s'arrête ce soir parce que je suis chaud pour la suite. Avec Nicolas Evans, bon, c'est vrai que c'est une complicité incroyable. Donc, Il y a une saine émulation, mais il y a surtout un échange d'informations qui est très intéressant. On est de plus en plus fort. On a appris même à travailler avec deux voitures cette année. C'est pas toujours évident. C'est une toute nouvelle voiture. Et puis, vous savez, bon, cette nouvelle Dacia Logi, d'abord, c'est une voiture que personne ne connaît vraiment. Et puis, ça a été un challenge technique aussi, aussi bien pour les gens de Renault, du design, de la construction de la voiture sur le plan technique. C'est pas évident d'adapter un monospace à une voiture de compétition. C'est la première fois que ça se faisait. Faire gagner cette voiture la première année, c'est vraiment très réjouissant. Auto, elle a une base, une ossature, un châssis roulant qui permet d'être polyvalente et de fonctionner sur toutes les surfaces. On a gagné avec une voiture qui au départ n'était peut-être pas la plus adaptée. C'était ça qui était intéressant et c'est aussi pour montrer au grand public ce qu'est le monospace qu'ils vont voir dans quelques temps. Moi, je suis content d'avoir fait gagner cette voiture après avoir fait gagner le Duster.